Je viens d'Hollande, j'avais 19 ans. Je travaillais à une grosse ferme en Indre-et-Loire avec 300 vaches en bio. Je fais une ferme en Mayenne et comme j'avais mon frangin qui est dans le sud de Mayenne, j'ai trouvé la ferme ici en 2002 et je m'ai installé le 1er janvier 2003. Je ne suis pas installé à Hollande parce qu'une hectare vaut entre 30 000 euros à 50 000 euros l'hectare. Ça faisait déjà 1 million, 2 millions minimum pour s'installer. Aujourd'hui, j'ai 82 hectares de terrain avec 390 000 de lait sur ce qu'on fait 60 hectares d'herbe et 20 hectares de céréales. Aujourd'hui, on tourne à 130 têtes, ça fait à peu près 60 vaches laitières, plus les génisses et quelques bœufs. Là, comme on est en bio, j'essaye de faire des vaches un peu plus rustiques qui maigrissent moins et qui vieillissent mieux, avec un lait meilleure qualité fromagère. De base, c'est un cheptel de Prime Holstein et depuis 5 ans, on croise avec de la Montbéliarde, de Rouge Holstein, du Brun et un tout petit peu de Simmental récemment. J'ai fait tout moi-même, la récolte de l'herbe, la récolte de mon foin, un mélange et il ne me coûte pas grand-chose. Mais je fais mon quota avec et les vaches, avec le bon foin qu'on fait, on arrive à faire du bon lait. Dès qu'on achète, ça coûte plus cher que les produits. Deuxièmement, on sait ce que c'est ce qu'on a, on sait ce qu'on donne. Si quelqu'un me demande qu'est-ce que tes vaches mangent, c'est ou de l'herbe, ou du foin, ou des céréales de ma ferme. Je suis à 99,5% autonome parce que j'achète un peu de minéraux et de sel. Sel de Guérande. Le lait, depuis que je suis en bio, il passe à laiterie Bio du Maine, qui est située à Entrammes, qui fait un fromage qui appelle Entrammes et qui est commercialisé en tout supermarché en Mayenne et en Tours, et depuis peu sur Paris. Quatre fois dans l'année, on va dans un supermarché et on fait goûter aux gens le fromage. Éventuellement, on fait des explications sur comment il est fait. Et après, les gens ils peuvent venir à la fromagerie, on a des portes ouvertes régulièrement pour approfondir des choses. Je pense qu'on est heureux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a de beau? Je dis, on fait ce qu'on veut et on gagne à peu près sa vie comme il faut. Oui.